Et donc, l'idée m'est venue de faire une mémoire des gens comme toi et moi qui sont là-dedans, si tu veux, pour que pas que l'histoire va disparaître, que la mairie nous donne la salle et qu'une fois par mois, ces vieux qui ont 90 ans comme Loulou racontent l'histoire portugaise comme ils l'ont vécu. Ouais. Parce que c'est pas moi, moi j'en connais que 50%. Titain, il a perdu son père, il avait 4 ans, 5 ans. Mon père, quand il n'a pas connu son père, parce que quand il est né à Port-Croll, pas Port-Croll, il est parti en Italie chercher les affaires de famille et il a chopé le choléra. Et donc, mon père a été orphelin de naissance. Et il me racontait, ça c'est Titain qui me racontait, que Titain travaillait 11 ans dans les champs et mon père a 13 ans. Toi, je veux dire, les mecs, ils n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Loulou, pareil, il peut te raconter encore mieux que moi. Mais c'est ça que je voudrais que ces vieux, que je les amène à ça, parce qu'autrement, on va tout perdre. On va perdre vraiment l'essence de cette colonie italienne qui a fait de pêcheurs. Ben, Loulou, quand il te raconte l'histoire, quand même, de son père et grand-père qui partent à la rame de Ponza, oh, et qui en fait, il devait aller à Marseille à la rame, qui en fait s'échoue au Langoussier et il reste là. Il y a une histoire, elle est magnifique, je veux y faire raconter cette histoire. Tu vois, cette histoire est extraordinaire. Extraordinaire, il y a là, c'est extraordinaire l'histoire du vieux. Avec la femme et des petits-enfants dans le barqué, j'avais du courage, les mecs, qu'est-ce que je te dis, tu vois. Aujourd'hui, les mecs, ils se plaisent, là. Oh putain. Les mecs, je te dis pas, tu vois, je veux dire, mon idée, elle est bonne, de convoquer les petits qui ont 5-6 ans pour corroler, de l'école, en hiver, en été, tu vois. Et que, si tu veux, on fait une table ronde avec eux une fois par mois. On parle de... Et surtout, c'est notre passé, quoi, tu vois. C'est notre passé. Moi, je pense que c'est le truc le plus important. Donc, si tu veux, on va tout perdre. Allez, on a. Allez, on a. Ok. On coupe.